Bonjour, moi c'est Eric Stromayer, chargé d'affaires dans l'ambassade États-Unis, dans Port-au-Prince. Les États-Unis gagnent en pile inquiétude pour situation santé et sécurité qui grave en pile en Haïti. Pays arrivé dans une situation qui pas bon du tout avec insécurité tout partout. Côté gangs criminels bloqués et puis limité accès, non gaz et puis rien qu'aide humanitaire en otage. N'a participé dans un gros effort international pour résoudre le problème, non. Quantité quantité mounant, élite politique, business et social, en Haïti, à l'étranger, qu'un pays a en otage pour propre profit personnel. Yo servi à souffrance ou pour plein poche yo, au soir réaliser ambition politique yo. Pays États-Unis déterminé pour les rendre criminels sa yo, responsable. Département d'État américain, déjà imposé restrictions visa sur monde qui commettait et puis encourager violence. Acteurs malveillants, ça y est, membres familiaux, n'a pas empêché yo entrer aux États-Unis. N'a pas continué à ajouter non dans liste pendant n'a pas identifié monde qui la cause, situation tragique ça. Quelle autre sanction nous pral prend encore? Action nous pas camper là. Dans date 21 octobre, Nations Unies te prend une résolution que États-Unis, partenaires noirs, Mexique, t'ai proposé, qui pral imposer sanctions internationales sur responsables, ça y est. Malgré que résolution mentionnait spécialement vagabonds, y aurait les barbecues, c'est pas lui simplement qui est affecté par décision, ça. Nations Unies pral sanctionner actes malveillants, quel que soit pays, citoyen, ça veut dire que même si citoyens américains, yo complices, n'ont fait violence, à mettre des restrictions sur accès dans le gaz avec Edio, ou soit participer dans le trafic d'armes, yo pral interdit yo voyager dans n'importe quel pays dans le monde. Et y a saisi bien yo. États-Unis proposaient tout, une résolution des Nations Unies pour autoriser une mission multinationale, pour aider dans les affaires de sécurité et pour assister dans la situation de choléra et humanité. Ensemble, à la communauté internationale, là, nous pourrons travailler avec la police nationale d'Haïti, PNH, là, pour améliorer la situation de sécurité et puis permettre la livraison d'aide humanitaire qui est nécessaire en pile. Créole parler, créole comprend. L'important pour nous connaître que la propagation de choléra, c'est une réalité. Les présents Jolia dans 6 des 10 départements pays. T'en prie, protège tes tout, ta famille. Si vous êtes malade, cherchez traitement immédiatement. Pas tant l'avant, ni trop tard. Nous aurons été engagés pour nous supporter le gouvernement haïtien pendant la recherche et freiner le choléra qui est retourné dans une façon tragique. Et puis satisfait besoin urgent, peuple haïtien. Demandez tout haïtien pour y mettre des divisions sous-côté pour résoudre la crise. Pas oublier, nous ne pas jamais la guerre, peuple haïtien. Merci en plus.